que payon tana, que payon tana. Sinanga kuma kea, ma ke vainki. Je me souviens d'une nuit dans la jungle où, comme la précédente, hurlait en moi une voix. Elle hurlait qu'elle ne voulait pas savoir, qu'elle voulait tout oublier, rentrer chez moi. Mais il était trop tard. L'expérience mystique n'est pas une pratique intégrée à nos cultures, et pourtant j'ai senti son appel. Je suis allé les voir, eux, les indigènes, les chamans, ces sorciers qui soignent avec des plantes psychotropes. En portant le verre à mes lèvres, je ne savais pas encore que je m'étais embarqué pour un voyage sans retour. C'est avec respect que je suis parti à leur rencontre. Respect pour ceux que j'imaginais capables d'affronter la peur de la mort, capables de la transcender. Des êtres explorant le plus profond de leur psyché, décryptant les mécaniques mêmes de la pensée, pour que se révèle ce monde invisible. J'ai parcouru le Mexique puis le Pérou à la recherche de ces hommes. J'ai partagé leurs rituels jusqu'à ma rencontre avec Esten Betsa, un chaman indien chez Pibokonibo. Les rituels partagés avec lui m'ont amené jusqu'aux frontières de la mort mentale, jusqu'à un point de rupture où mon esprit a dû accepter ces expériences, accepter de remettre en question et de redéfinir la réalité d'une manière nouvelle. Enseño a los jóvenes a tener este conocimiento psicomágico o la práctica espiritual para que así ellos puedan enseñar a su pueblo, trabajar en su pueblo como chamanes, no solamente el trabajo de chamanismo, también enseñar cómo vivir la vida, cómo vivir en la tierra, cómo respetar los fenómenos de la naturaleza. Entonces, esto es para mí muy importante porque sin este conocimiento espiritual, uno pierde también el equilibrio de su conocimiento como ser humano. En todas las ceremonias, por ejemplo, para comenzar la fiesta, El primer cantor canta para tomar contacto con los espíritus. El momento del corte de cabello, también la mujer que cantó ha hecho contacto con los espíritus.
Después, en el momento del sacrificio del animal, también hacen contacto con los espíritus, ¿no? Y luego, cuando traen acá a la casa el animal muerto, la mujer canta poniendo el animal, también está entregando el espíritu del animal al espíritu de los muertos. L'ayahuasca, la liane des morts. La violence de l'expérience est réelle. Tout comme ses joutes, elle se déroule dans un monde symbolique. Dans ces fêtes traditionnelles, les Indiens boivent un jus de maïs fermenté. Mais c'est dans l'obscurité et le recueillement que les chamans prennent l'ayahuasca. Que contient cette liane sacrée? Comment peut-elle projeter la conscience dans un nouvel espace inconnu? Par quels moyens le chaman peut-il guider ses patients avec ses chants? Y a-t-il dans l'histoire humaine d'autres phénomènes comparables? Les chamans sont-ils les voyageurs secrets d'une réalité plus globale? Dès le retour de mon premier voyage, j'ai voulu enquêter dans la science, le domaine qui validait jusqu'à présent mon système de croyances. J'ai trouvé des hommes ayant consacré leur travail à l'étude du chamanisme, des religions et plus largement des phénomènes liés à la conscience. Ces philosophes, psychiatres, ethnologues et pharmacologues m'ont progressivement permis de voir que la réalité dans laquelle vivent les chamans trouvait des résonances dans leurs recherches. If you look at the Old Testament, you know, you have Moses having the vision of Jehovah in the burning bush. You have Abraham communicating with the angel. In the New Testament, Jesus being tempted by the devil, Saint John of the Cross having the vision of the apocalypse, the beginning of Islam, where the mystical visions of Muhammad, the visitation of Archangel Gabriel. The story of Buddhism begins with the experiences of the Buddha. So we would not have religion without these experiences of the founders of the religion, of the prophets, of the saints. So it's very interesting that
when religions get organized, they very frequently move away from these experiences. And, you know, today in many of these today's churches, you just go there and you hear stories about what happened to people 2,000 years ago. But if somebody in today's church would have really a full-blown experience of the kind that inspired the religion, your average priest would call the ambulance and the person would be taken to a psychiatrist and put on tranquilizers. When the Europeans came to the Americas in the 16th century, the 17th century, they brought with them the laws of the Inquisition, which specifically forbade the utilization of plant psychoactive material to facilitate altered states, and specifically rejected and identified it as an abomination and heresy to utilize such psychotropic plants in attempts to heal individuals. So we're not the first culture that has recoiled in horror from these altered realms that the hallucinogens open up to us. But I do believe there's a great deal we can learn from native practitioners, from the indigenous shaman, who have a lineage of generation after generation of work with this plant material, and who might very well have something to teach us. The primitives, the so-called primitives, may have a tremendous wealth of knowledge that us so-called sophisticates do not have access to, but from which we might learn and which might help us to succeed in facilitating new models of healing and understanding, which could benefit our whole society. Social, un chamán dentro de los pueblos indígenas es como un líder espiritual, es un guía espiritual. Uno tiene que ir escalando el nivel del conocimiento. Entonces, para ser un buen chamán, requiere un buen tiempo, como un año o dos años, para ir ganando tanto el conocimiento y la técnica de las prácticas, y como también el uso de las plantas medicinales. Esta planta es la planta de chacruna, que sirve para cocinar con la ayahuasca. La ayahuasca proviene de mareos y la chacruna proviene de visiones. Para eso se juntan los dos, de las dos plantas. La ayahuasca se va a cocinar casi como 10 horas. Se tiene que refinarse todavía, sacar un poco de esta medida. Les feuilles de chacruna contiennent de la DMT, qui est un hallucinogène puissant, mais qui est oralement inactif, puisque dissous par une enzyme précise du tract digestif, la monoaminoxydase. Alors il combine les feuilles de la chacruna avec la liane de l'ayahuasca qui contient
précisément plusieurs substances qui inhibent l'enzyme de l'estomac. En mélangeant les deux plantes et en les cuisant ensemble pendant des heures, on arrive à une boisson de la DMT oralement active et la molécule hallucinogène passe à travers l'estomac intact et arrive au cerveau. Comment ont-ils pu trouver cette recette lorsqu'on sait qu'il y a 80 000 espèces de plantes supérieures dans la forêt amazonienne? Ça fait que cette, n'importe quelle combinaison donnée, il y a une chance sur 6 milliards 4 pour tomber dessus. I think that clearly shamanism is an ancestral science, and it's ancestral, but it's contemporary as well, because it has survived so many thousands of years. These techniques are the result of centuries, millennia of trial and error, which is the scientific method. You try something, based on the results, you modify what you're doing based on another outcome that you desire. I think these are technologies of consciousness. These are technologies of the spirit. And there's no reason that they have to be hidden. I mean, you might have to work a little bit to get them and have certain responsibilities, but to make them off limits and to turn them into some kind of bad, shunned phenomena is just not true. It's just not fair either, really. J'ai été surpris de découvrir qu'il existait un vrai travail sur la pharmacologie de l'ayahuasca. Jess Calloway, docteur en pharmacologie à l'université de Kyoto en Finlande, et Charles Grob, psychiatre en activité à l'hôpital de Torrance à Los Angeles, ont participé au Brésil Ayahuasca Project, la plus importante étude expérimentale sur l'ayahuasca jamais réalisée. Ils ont pendant des mois suivi 15 utilisateurs de la plante, procédé à des analyses de sang, des électrocardiogrammes, surveillé la pression sanguine et suivi psychiatriquement ces individus. Avant et après les sessions, ils ont procédé sur un sujet à des scanners du cerveau. Leurs résultats sont exemplaires. L'ayahuasca ne provoque ni accoutumance, ni toxicité physiologique. Au contraire, les niveaux de sérotonine, notre antidépresseur naturel qui normalement baisse après l'usage de toutes les drogues connues, étaient ici en augmentation dans le sang. Des modifications physiques temporaires du cerveau avaient été enregistrées. Elles signalaient un accroissement provisoire des neurorécepteurs alloués à cette même sérotonine. Ces découvertes sont proprement révolutionnaires sur le plan des potentiels thérapeutiques. Les Indiens sont intrigués par ces touristes occidentaux qui, comme moi, débarquent en quête d'expériences mystiques sur la trace de Carlos Castaneda ou de William Burroughs. Pour eux, le monde invisible est une réalité qu'ils n'ont pas besoin d'explorer. Elle est inscrite dans leur culture. Ils ne vont voir le chaman que lorsqu'ils sont malades. Le contact concret avec les autres mondes est dangereux, mais le chaman est là et son pouvoir les protège. Kesten Betsa m'a demandé pourquoi je voulais participer à un rituel. Je lui ai répondu assez déterminé que je voulais savoir. Ainsi, guidé par lui, j'ai pénétré le monde des visions. Là-bas, j'ai tremblé en affrontant mes peurs. J'ai vomi en découvrant ma noirceur. Et j'ai pleuré en traversant la lumière. J'étais comme un enfant qui découvre un nouveau monde. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai compris ce qui s'était réellement passé. Que dans tous ces rituels, par une technique, une connaissance qui dépasse mon entendement, il m'a guidé dans une violente confrontation avec mon identité. Ainsi, il m'avait soigné, car ce n'est pour lui que de cela qu'il s'agit. Soigner. Desde el otro punto del mundo o dimensión se puede fácilmente comprender, reconocer la enfermedad. Las raíces de la enfermedad, uno puede ser psicológico, otro puede ser orgánico, otro puede ser espiritual. Una enfermedad espiritual es muy diferente
porque el hombre está sin los ánimos, está sin el espíritu y es muy pobre de fuerzas, ¿no? Muy agitado, ¿no? Con mucha pena. ¿Podrías traer el día domingo en la noche para hacerle un buen trabajo? Yeah. En la noche, a las 9 de la noche. A las 9. Pero ya. Ya puedes traer su colchoncito, su abrigo, para tratarle así en la ceremonia. Las dos semanas pasadas me sentía terrible, horrible, me sentía muy, muy mal. Pero esta semana que pasó, ya me fui calmando poco a poco. Y ayer que me fui, me animé a tomar el ayahuasca. Me llamó, me dio de tomar, sabe, tiene un sabor muy, muy amargo. Y me fui a sentarme. Luego, sentía que me mareaba. Y luego vino, después de la media hora, vino uno de los señores a cantar. Y cuando comenzó a cantar, la señora era peor, sentía que me muero. Y más o menos después de la hora habrá sido, después de que me cantó el señor, sentía que estaba soñando y una voz de una mujer que me decía, sí, esto es un sueño, no pienses que es tu imaginación, estás soñando no porque tú quieres, sino por el ayahuasca. Y me desperté, o sea, no quería, o sea, me sentí incómoda. Y luego mi mamá me llevó donde el señor Guillermo porque me tenía que tratar. Y cuando me paraba me sentía como en las nubes, bien frágil. El chamanismo es una ciencia natural que los hombres han descubierto en todas partes de la tierra, según su raza, según su folclore, según sus épicas, según sus ritos, sus leyendas, sus cuentos y mitologías. El hombre siempre es una persona dedicado a las cosas espirituales. Prácticamente el hombre es como un animal religioso. Yo le veo mejor. Antes de ir no reía, pero ahora sí ya se siente bien. Sonríe mucho, ya no llora como antes, ya no vive. Porque quería estar echada en la cama y quería estar cerca a mí, así agarrándome, así abrazándome, así. So let's say shamanism has several components. Well, this is a term created by anthropologists. Of course, the term shaman comes from the Tungus language, you know, and it has been applied to practitioners all over the world. So, and it's applied even to modern practitioners, Western practitioners. So it's a term that has been used so much. You know, it's very difficult now, you know, to define somehow, you know, what it will be, a real shaman. But I would say they will have several characteristics. It will be a man or a woman who is able to enter a modified state of consciousness, you know, and by means of and in this trance state or whatever, you know, non-ordinary state, he is able to contact spirit realm, spirit world, in the name of his community. A shaman is one who's really dedicated to exploring the inner spaces. I mean, they've really made an effort to do this. And as a scientist, I have to say that we don't and we can't know everything.
and that there's so many things that we can't know and don't know, that we have to leave open the possibility that there are people like shamans who can tune into information that's not readily available to other people. And these people have quite an important function, if for no other reason than to give us some perspective on reality. Bueno, yo he llegado a muchas partes donde están grandes hombres, están unos hombres, unos ancianos, unos reyes, donde tienen la sabiduría, verdaderamente una sabiduría, máxima sabiduría, como nosotros decimos, que lo saben todo. No existe allí el tiempo ni el espacio. Allí no existe el tiempo ni el espacio. Todo es presente. Well, usually, you know, when we look at Western science, there's the Cartesian-Newtonian thinking is seen as something that is very rational, very far from non-ordinary states, and we forget that the inspiration for Descartes, for the Discours de la Méthode, came from a dream, and a dream within a dream, basically, you know, from a non-ordinary state of consciousness. So that as long as we stay in the ordinary state of consciousness, you know, with all the scientific methods and all the scientific instrument, we are just exploring a segment of reality. And we are missing sort of a significant part of the story that is revealed in these non-ordinary states. Of course, that is the way in non-ordinary states, the yogis get their wisdom. I mean, it's these people tap some kind of sources of wisdom that are not available in the ordinary state of consciousness. They show either a radically different perspective on the everyday reality, or they show us normally invisible realities that are extremely important for a really true, deep understanding of who we are and what the nature of reality is. Et donc je pense que encore aujourd'hui dans tout être, il y a une dimension chamanique fondamentale, par exemple lorsqu'il rêve. Chaque nuit, l'homme redevient cet être mythique. Le problème, c'est que justement, il prend cette réalité mythique pour une réalité non réelle. Hein? Justement, cette idée de dire qu'il y a des réalités non réelles me fait rigoler, parce qu'en fait, tout est réel. Hein? Donc la réalité du rêve est aussi réelle que la réalité de cette prairie ou de ce ruisseau derrière moi, ou de cette caméra qui nous filme. Mais elle est différente. Hein? Et c'est précisément ça qui est intéressant. C'est le fait que nous ayons des réalités différentes et que pour pouvoir comprendre le monde, il faut pouvoir passer d'un niveau de réalité à un autre. Los espíritus se oye acá que cantan bien, bien. Te está hablando y te dice esta canción es para esto, para este otro. Te explica. Y uno, si dieta bien, lo canta perfectamente como el espíritu lo canta. Por medio de esa canción se los llama. Es casi como un teléfono que usamos para llamar a una persona. Melodies that are used in ayahuasca ceremonies, but all throughout religions all around the world throughout time, have found sacred sounds that seem to be beneficial in inducing certain states of consciousness. Payantanai
Les premiers temps, je me roulais par terre flottant dans mon corps, écran vivant de ces visions. Elles me transperçaient de part en part. Petit à petit, j'ai compris. Il fallait se concentrer pour se laisser traverser par cette forme inconnue de langage sans mots, pour le laisser déplier ses mystères à l'intérieur de l'esprit. La réalité de ce monde apparaît aussi concrète que la réalité matérielle, plus forte encore car je ressentais dans mon corps ce que je voyais. Les images et les sensations étaient unifiées. Kestenbetsa et la plante m'amenaient dans un autre monde. Elle était le véhicule, il était le pilote. Au cœur même de l'expérience, j'avais cette certitude que ces mondes étaient liés aux pensées. Elles n'étaient plus de petites impulsions fugitives auxquelles je m'identifiais sans en avoir conscience. Elles étaient de gigantesques univers en mouvement. J'avais envie de rire avec complicité, de lui crier ma joie face à la découverte, mais au moment où ses pensées jaillissaient, il m'entraînait avec précaution dans les mondes de terreur, afin que j'en prenne tout autant conscience, que toutes ces peurs, ces désirs étaient toujours en moi latents, tout autant que ce pouvoir d'extase. Si je voulais aller vers la lumière, il fallait que j'accepte de regarder l'ombre pour que se crée la vigilance. Pour reconnaître l'ombre à temps, car elle apparaît toujours quand la lumière est trop forte. Cette ombre prend la forme de la moindre pensée qui essayera de s'emparer de l'expérience. Mais quel autre type de pensée peut exister alors? Ne sachant que faire, mon esprit fuyait chacune d'elles en se plongeant dans la sensation du corps. Il était le refuge. Quite often with ayahuasca visions, there's a coherence to the vision. There's a message to the vision. There's intrinsic meaning to what is being perceived. La chacruna es como la vista. La chacruna es como la vista. Abre la mente y la vista y entonces puede captar muchas cosas. Las visiones que se puede encontrar a la serpiente es la madre de la planta, ¿no?, que representa. Esta serpiente puede ser también un medio de viaje. Esta serpiente también puede ser un maestro en la enseñanza. These shamanic techniques take us way beyond this sort of individual history that is the main focus of psychotherapies. It takes us into the realm of death and rebirth. It takes us into the realm of powerful forces in nature, archetypal beings, deities, and so on.
So it operates in a very, very different realm.